Quand on rentre dans le métier des magasins, des réseaux, on observe deux types de problèmes. Globalement, on a les problèmes liés à la confiance. Y a-t-il de la confiance ou n'y a-t-il pas de confiance dans ce réseau? Et des problèmes liés à l'autorité. De quelle manière on exprime son autorité? Les solutions qu'apporte le Retail Coaching, la première, c'est remettre de la confiance au cœur du métier grâce à la considération, à l'estime et grâce à la communication. L'autorité nécessaire pour obtenir des résultats sans précédent. Et la gestion d'une entreprise, la gestion d'un réseau de magasins, la gestion d'un magasin a besoin d'autorité. C'est le premier point. Le second point, c'est réconcilier les personnes avec les chiffres. On trouve en magasin beaucoup d'analphabètes des chiffres. Quel que soit mon niveau, et même si j'ai un niveau basique dans les magasins, j'ai besoin de savoir c'est quoi mon métier, quels sont les deux ou trois indicateurs clés de succès. Enfin, un des objectifs du retail coaching est de résoudre les relations endommagées. Un mauvais climat entre camarades dans un magasin, ça se sent par le client. Et souvent, il est facile de laisser couler, de laisser s'empirer une relation. Le retail coaching met ça sur la table et invite les acteurs du magasin à résoudre les relations endommagées pour s'aligner derrière un objectif commun.